séminaire de formation des femmes du PDCI-RDA avec pour thème « Formation de la femme pour une meilleure performance au PDCI-RDA » aura lieu les 4 et 5 février 2022 à la maison du PDCI-RDA à Cocody. En prélude à cette activité de formation, le coordonnateur général délégué des femmes du PDCI-RDA, l'honorable Aka Véronique, lance un appel à la mobilisation de toutes les militantes à venir massivement se faire former gratuitement, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, a-t-elle indiqué. Depuis qu'on m'a confié cette tâche, je me suis dit qu'il faudrait que nous soyons formés, nous les femmes. Souvent, le PDCI a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de dérapages parce que il n'y a jamais, jamais eu de formation au niveau de la femme. Et même au niveau de la base. Et maintenant, ça a été initié. Donc, je me suis dit qu'il faut au moins que nous, en tant que femmes, qu'on soit les premières à être formées au niveau du parti. C'est pour ça que je demande à toutes les femmes d'être à la formation. Parce que quand tu sors d'une formation, tu retiens toujours quelque chose. Et je me dis qu'on se bat comme ça dans la nature, mais avec la formation, ça nous permettra d'être mieux orientés. Donc je demande à toutes les femmes du PDCI de faire un grand sacrifice pour être là vendredi matin à l'ouverture et puis de suivre avec intérêt ce que les panélistes vont nous dire. Je demande aux militants du PDCI d'être femmes âgées comme jeunes, d'être à ce séminaire-là. Ça va vraiment nous aider. J'aurais bien voulu attendre au moins 1000, 2000 femmes. Je demande à toutes les femmes du PDCI de faire ce sacrifice-là, de venir à la maison du parti le 4. Une formation, il y a l'ouverture, et puis maintenant, après, il y a le travail. Donc c'est pour ça que je leur demande de venir. Parce qu'une fois nous avons la formation, ça peut nous aider. Moi-même, j'ai évolué qu'avec les formations, hein, de formation en formation. Et je me dis que la formation, c'est une très bonne chose. Quand tu es bien formé, tu sais comment te comporter et faire certaines choses. Quand tu sais comment sensibiliser les gens, comment parler avec les gens, comment ratisser, c'est déjà bon. Vous savez, il y a des gens qui sont nommés, mais qui ne savent même pas commencer une réunion. Prendre la parole, et dès qu'ils prennent la parole, c'est pour vexer les uns et les autres. Et en politique, c'est avec du miel qu'on attire les mouches. Hein. Donc il faut savoir d'abord aborder les gens. Et des fois aussi, les gens sont sympathisants. Mais si tu as un très bon comportement, le sympathisant devient tout de suite militant, à cause de toi, sans même faire attention. La personne dira que, ah, à cause de M. Kofi, moi, je vais militer au PDCI. Mais tout ça, ça aide dans le comportement, la manière de se comporter, la manière de prendre les gens. Nous avons besoin d'une formation, et puis on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. C'est pour cette raison, nous allons mettre l'accent. Si même on pouvait faire 3 formations dans l'année, moi, ça m'aurait fait plaisir. Sans la formation, nous ne pouvons pas. Vous savez qu'il y a des politiciens qui sont formés. Il y a des politiciens aussi qui militent même, sans même militer pour le plaisir de militer. Donc, c'est pour cette raison que je demande aux femmes d'accepter qu'ensemble, on essaie de se former un peu. Ça va nous aider.